On m'a dit que vous souhaitiez me voir. Maj Dadin veut organiser une autre exécution aujourd'hui. Nous devons nous assurer que tout se passera bien. Je suis ici pour vous servir. Remets à ton maître le document que je t'ai donné. Ainsi, il saura où mes hommes seront positionnés. Et ne perds pas de temps. Tout retard nous serait préjudiciable. Il n'y en aura pas, vous avez ma parole. Y a-t-il autre chose ? Nous avons des raisons de croire qu'ils sont ici. Maj Dadin craint pour sa sécurité. Et en vérité, on ne peut pas l'en blâmer. Un homme de son rang a beaucoup d'ennemis. Je suis sûr que vos hommes sauront le protéger. Si Dieu le veut. N'avance plus. Fiche le camp. Arrière. Je te laisserai pas passer. Fiche le camp. Maj Dadin l'a compris. Il veut bannir ceux qui cherchent à nous pervertir pour nous remettre dans le droit chemin. Il n'y a aucun mal à dénoncer ceux qui, autour de vous, défient la loi. Sans notre foi, nous ne sommes rien. C'est elle qui nous montre la voie. La bafouer serait faire insulte à celui qui nous guide. Un tel comportement ne peut être toléré. Assez. Si je vis encore, c'est que j'ai une certaine importance à tes yeux. Que veux-tu ? Tu connais bien Maj Dadin ? Assez bien, oui. Je le trouve très moralisateur. La loi est-elle vraiment si importante pour lui ? D'après toi ? Je pense qu'il cache quelque chose. Et je pense que tu vas me dire quoi ? Tout ça, c'est un écran de fumée. Les hommes comme moi, je suis là pour effrayer le peuple. Ceux qu'ils tuent ne sont pas des criminels. Mais il représente un danger. Un danger pour qui ? Pour ses plans, pour leurs plans. Oui, ils parlent souvent des autres. Ceux avec qui ou pour qui ils travaillent, je ne sais pas. Mais ils cherchent à contrôler la cité. C'est très important pour eux. Pourquoi ? Il te faudra lui poser la question. Va assister à l'une de ses exécutions. Il en profite souvent pour s'adresser à la foule, quand il a les mains couvertes de sang. Je n'ai plus besoin de toi. Civilisation.
Où en es-tu, novice ? Je ne suis pas un novice. Un homme est jugé par ses actions, Altaïr, non par ses distinctions. Nous pouvons nous quereller ou poursuivre notre mission, à toi de voir. Alors dis-moi ce que tu sais. Le régent de Jérusalem, Majdadin, organise une exécution publique non loin d'ici. L'endroit sera bien gardé, mais rien d'insurmontable. Je sais quoi faire. Et voilà pourquoi tu restes un novice à mes yeux. Tu ne dois pas savoir, mais supposer. Tu dois prévoir d'éventuelles erreurs. Tu dois anticiper, Altaïr. Combien de fois devrais-je te le rappeler ? J'ai compris. Autre chose ? Oui, en effet. Il y a autre chose. Un de ceux qui doivent être exécutés est un de nos frères. Al-Mualim ne peut tolérer cela. Tu n'auras pas à te préoccuper de son sauvetage. Mes hommes s'en chargeront. Mais tu dois empêcher Majdadin de lui ôter la vie. Il n'en aura pas l'occasion. Je l'espère bien. Avance rapide vers une séquence plus récente. Jérusalem, écoutez-moi. Je suis ici aujourd'hui pour vous mettre en garde. Des malveillants sont parmi vous. Ils sèment les graines de la discorde et tentent de vous tromper. Est-ce là ce que vous souhaitez? Vous voterez dans le péché et le mensonge? Vivre continuellement dans la peur ? Non ! Pas question ! Jamais ! Alors, allez-vous agir ? Et comment ? Oui ! Guidez-nous ! Votre dévouement me réjouit. Ce mal doit être éradiqué. Alors seulement nous pourrons espérer nous racheter. Ce n'est pas ça, la justice ! De quel droit faites-vous ça ? Pour qui vous prenez-vous ? Et vous restez là sans rien faire! Vous êtes complice de ce crime! Dieu vous maudisse! Voyez comme ces hommes tentent de vous détourner du bien! Leur but? Faire naître le doute et la peur en vous! Mais moi, je les en empêcherai! Ces quatre-là, je vous le dis, sont tombés dans le péché. La cata, le voleur, le joueur, l'hérétique. Ces quatre-là, je vous le dis, ont attiré sur eux la colère divine. Ah!
règne va s'achever. Non, non, il vient juste de commencer. Dis-moi, quel est ton rôle au juste? Est-ce que tu vas te défendre comme les autres l'ont fait en m'expliquant que tu voulais faire le bien? La fraternité voulait cette cité. Je voulais le pouvoir. J'y ai vu une opportunité. Une opportunité de tuer des innocents. Pas des innocents. Le peuple n'est pas sourd aux voix de ses opposants. Ils menacent l'ordre. En cela, je suis d'accord avec la fraternité. Tu tues des gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que toi? Bien sûr que non. Je tue parce que j'en ai le pouvoir. Parce que j'aime ça. Sais-tu ce qu'on ressent quand on tient la vie d'un homme entre ses mains? As-tu vu comment la foule m'acclame? As-tu vu comme elle me craint? Pour eux, je suis un dieu. Tu aurais fait la même chose à ma place. Une telle puissance. Avant, peut-être. Mais j'ai vu ce qui arrive à ceux qui tentent de s'élever au-dessus des autres. Que leur arrive-t-il? Eh bien, je vais te le montrer. Jérusalem n'a plus de régent. C'est ce qu'on m'a dit, en effet. Et c'est tout? Je n'ai pas droit à tes conseils avisés. Pourtant, Malik, j'ai bien dû faire quelque chose de travers. Tu as fait ce que les Hachashiyun doivent faire. Ni plus, ni moins. N'espère pas des louanges de ma part pour avoir simplement rempli ta mission. Rien de ce que je fais ne te convient. Rentre, Amasiaf. Tu auras tout le temps d'y réfléchir. Ton travail ici est terminé. J'ai à te parler. Je vous écoute. J'ai été informé de ta réussite. Tu as toute ma gratitude ainsi que celle de tout le royaume. En libérant ces cités de l'emprise de ces tyrans, tu as œuvré pour la paix, cela ne fait aucun doute. Vous en êtes vraiment sûr? L'immoralité de ceux qui gouvernent finit toujours par gagner le peuple. En chassant la corruption de ces villes, tu as purifié le cœur et l'âme de leurs habitants. Nos ennemis m'ont dit le contraire. Que veux-tu dire? Les confessions de ceux que j'ai tués étaient assez inhabituelles. Ils ne regrettaient rien. Même à l'heure de mourir, ils semblaient sûrs de leur réussite. Ils ne me l'ont pas avoué, mais il existe un lien entre ces hommes. J'en suis persuadé. Il y a une grande différence, Altaïr, entre la vérité qu'on voudrait nous faire croire et celle que nous percevons. La plupart des gens ne font pas la distinction. C'est la voie de la facilité. Le Hachishiyun, lui, ne se laisse pas abuser. Il s'interroge. Mais alors, quel est le lien qui unit ces hommes? Ah, un vrai Hachishiyun se doit de faire taire ses pensées en s'en remettant à son maître. Car il ne peut y avoir de paix sans ordre, et d'ordre sans autorité. J'ai du mal à vous suivre, maître. Vous me demandez d'être lucide, et puis ensuite de ne plus l'être. Que dois-je faire? La réponse t'apparaîtra quand tu n'auras plus à poser cette question. Ce n'est pas pour me faire la leçon que vous m'avez fait venir. Très bien. Tu gravis un échelon et tu récupères un objet. Deux seigneurs sont encore en vie. Va, il est temps de mettre fin à leur règne. Rafik? Altaïr, j'ai eu vent de tes exploits. Tu sembles manifester un désir profond de te racheter, cela ne fait aucun doute. Je fais de mon mieux. Et parfois cela te réussit plutôt bien. J'imagine que tu es venu ici dans un but précis. Oui. Je dois éliminer Guillaume de Montferrat. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cet homme? Guillaume a été fait régent alors que le roi était à la guerre. Le peuple s'en étonne à cause de l'animosité entre Richard et Conrad, le fils de Guillaume. Mais je pense que le roi Richard a une idée derrière la tête. C'est-à-dire? Le roi Richard et Conrad ont souvent des divergences. S'ils ne laissent rien transparaître de leurs différends en public, ces deux-là ne se veulent pas que du bien.
sans parler de l'affaire de ces Sarrasins faits prisonniers dans la cité d'Acre. À la suite de ces événements, Conrad a regagné Tyr et Richard a fortement conseillé à Guillaume de devenir son hôte. Tu veux dire son otage ? Oui, si tu préfères. La présence de Guillaume devrait dissuader Conrad de faire du zèle. La politique est le cadet de mes soucis. Mais tu es bien conscient que tes actes contribuent à forger l'avenir de cette région. Tu fais de la politique, toi aussi, à ta manière. Si tu veux. Bien, par où dois-je commencer mes recherches ? La citadelle de Richard, au sud-ouest. Ou plutôt le marché installé juste en face. La cathédrale de Sainte-Croix est également dans ce secteur. Sur place, tu rencontreras des habitants disposés à te parler. Ensuite, dirige-toi vers la frontière à l'ouest, à la jonction des quartiers de la Chaîne et des Hospitaliers. Voilà qui devrait te mettre sur la piste. Très bien. Je ne te dérange pas plus longtemps. Tu ne me déranges jamais. Regarde-moi ça. Il me fait pitié. Du bist kein Mensch. Wir können tun, was immer wir wollen. Je ne vous ai rien fait. Pourquoi vous comportez-vous de la sorte? Wir können tun, was immer wir wollen. Il est bizarre. Pitié, ne recommence pas. Ça s'annonce comment? Mal. D'après mes repérages, impossible d'attaquer directement. Quel est le problème? Les archers. Ils en ont disposé dans toute la forteresse. Et ils seront difficiles à éliminer. Ils nous transperceront dès que nous serons à l'intérieur. Tu as tout consigné par écrit ? Oui, j'ai indiqué leur position sur une carte. Apporte-la vite aux autres. Elle leur sera utile. Très bien. J'y vais de ce pas. Sois fort, mon frère. Oui, et toi aussi. Par tous les dieux, ne me tuez pas! Oh, c'est toi, Altaïr. Tu m'as fait peur. Vois-tu, deux hommes de Richard en ont après moi. Nous étions en pleine négociation, mais j'ai vite compris qu'ils essayaient de m'escroquer. Alors, je me suis enfui. Toi, l'ange de la mort, prends leur vie avant qu'ils ne prennent la mienne. En échange, je t'expliquerai ce que je tentais de négocier avec eux. Sale voleur. Je vais t'apprendre, moi. J'aurai ta peau. Ma famille n'a rien à manger. Peut-être. Thank you.
Je suis à ton service. Quel soulagement, je suis en sécurité maintenant. Merci. Je tentais de convaincre les gardes de la citadelle de laisser les portes ouvertes, même si l'alerte était donnée. J'ai échoué. Pour t'enfuir de la citadelle de Richard, tu devras escalader les murs. Pardonne-moi. Tahir. Toujours à la recherche de quelqu'un pour t'aider dans tes sales besognes. Cette fois-ci, Al-Mualim n'a rien pour toi. C'est moi qui te lance un défi. Retrouve les drapeaux de Masyaf que j'ai cachés dans le quartier où réside Richard. Et comme l'ordre, ne compte pas de membres plus loyaux que moi. Je te donnerai des informations importantes sur la ville d'Acre. Et c'est juste de revenir plus rapidement que la première. Que ce sont des manières. Pas moi. Vous pouvez me donner. Il va finir par se blesser. Il ne compte pas sur moi pour l'aider. Continue ainsi, je changerai d'avis sur toi. Je vais te dire ce que j'ai appris sur Guillaume de Montferrat. Il s'est disputé avec Richard avant que le roi ne parte pour Jaffa. Depuis, Guillaume reste cloîtré dans sa citadelle, entouré de ses soldats. Penses-tu pouvoir l'atteindre alors qu'il est si bien protégé? Nous verrons, mais permets-moi d'en douter. Altaïr, quel bon vent te ramène déjà? J'ai fait ce qu'on m'a demandé, et je me suis renseigné. Parle, nous verrons bien. L'armée de Guillaume en impose et il se fait appeler maître par ses hommes. Mais il n'a pas que des amis. Lui et le roi Richard ne s'entendent pas vraiment. Exact, ils n'ont jamais été proches. C'est une chance pour moi. La visite de Richard l'a contrarié. Guillaume se retirera dans sa forteresse pour ruminer sa rancœur. Il sera distrait. Je pourrais intervenir. Tu en es certain ? Aussi certain que possible. Et si ça évolue, j'aviserai. Alors tu as ma bénédiction. Mets fin au jour de Montferrat, que cette cité soit enfin libre. Je ne reviendrai qu'une fois ma mission accomplie. Trois mille âmes, Guillaume ! Je croyais qu'il devait être gardé prisonnier, et qu'il serait ensuite échangé contre nos hommes.
Les Sarrasins n'auraient jamais honoré leurs engagements jusqu'au bout. Vous savez que c'est la vérité. Je vous ai rendu service. Oh oui. Un grand service, en effet. Cela va renforcer les convictions de nos ennemis. Ils se battront avec plus d'ardeur encore. Je connais très bien nos ennemis. Au contraire, loin de s'enhardir, ils trembleront de peur. Dites-moi, comment pourriez-vous connaître si bien leurs intentions? Vous qui avez délaissé le champ de bataille pour la politique. J'ai fait ce qui était utile, ce qui était juste. Je pensais que vous aviez juré de défendre la cause de Dieu. Mais ce n'est pas ce que je vois. Non. Vous faites tout le contraire. Vous tenez des propos très durs à mon égard, sire. Depuis tout ce temps, j'espérais pourtant avoir gagné votre confiance. Vous régnez déjà sur Acre en mon nom, mon cher Guillaume. N'est-ce pas là une preuve de confiance? Briguez-vous ma couronne? Vous vous égarez! Cela devient une habitude. Il suffit. Cette conversation n'a que trop duré. J'ai une guerre à mener. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Aussi ne vais-je pas vous retarder, Majesté. Je crains qu'un homme comme lui n'ait pas sa place dans notre nouveau monde. Je souhaite parler au plus vite avec les troupes. Nous devons nous assurer que chacun remplisse son rôle. Prévenez-les que toute négligence sera sévèrement punie. Je ne suis vraiment pas d'humeur à plaisanter aujourd'hui. Oui, monseigneur. Les autres, venez avec moi. Du calme. Fini de jouer les intrigants. Que sais-tu de mes intentions? Je sais que tu étais prêt à assassiner Richard et à donner Saint-Jean d'Acre à ton fils Conrad. À Conrad? Mon fils est un idiot, incapable de contrôler son hôte, alors un royaume? Quant à Richard, cet imbécile ne vaut guère mieux, aveuglé par sa foi stupide et irrationnelle. Aucun d'eux n'est digne de Saint-Jean d'Acre. Qui alors? Cette cité appartient à ses habitants. Comment oses-tu parler au nom du peuple? Tu voles leur nourriture, tu les punis sans pitié. Tout cela pour ton seul intérêt. Je me contente de les préparer à un nouveau monde, rien de plus. Je ne les ai pas volés. Non, j'ai réquisitionné leur nourriture afin que, si les temps deviennent durs, le rationnement soit équitable. Regarde bien. La criminalité a été bannie, sauf celle perpétrée par toi et tes semblables. Quant aux conscrits, ils n'ont pas été entraînés au combat. Ils ont appris les mérites de l'ordre et de la discipline. Il n'y a là aucune malveillance. Tu te prêtes des intentions nobles, mais en réalité, tu es cruel, et cela doit cesser. Le fruit de ton labeur risque d'avoir un goût amer. Non, tu n'es pas là pour libérer nos villes, mais pour les vouer à la damnation. Quand tout sera fini, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Toi, qui es pétri de bonnes intentions. Alors, quelle nouvelle? Guillaume de Montferrat est mort. Tout risque de trahison est écarté. Je te sais gré d'avoir libéré Acre de son emprise. Mais pourquoi maintenant? Le moment où les croisés ont besoin d'être unis. Il aurait pu attendre. Attendre quoi? Que le roi Richard revienne et découvre son plan? Non. Il ne pouvait choisir meilleur moment pour agir. C'est étrange. J'étais certain qu'il voulait Acre pour son fils Conrad. Il m'a pourtant affirmé que non. Tu ne peux croire la parole d'un serpent qui, même mourant, produit encore du venin. Je dois en parler avec Al-Mualim. Oui, mon ami. Hâte-toi de rejoindre Masyaf. Il est certainement pressé d'avoir des nouvelles. Alors, Altaïr, donne-moi des nouvelles de ta mission. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Bien, bien. Je sens que tes pensées s'égarent. Tu peux tout me dire. Les hommes que je tue me parlent de choses que je ne comprends pas. Quand je vous demande de m'aider à y voir plus clair, vous me répondez toujours par des énigmes. C'en est assez. Qui es-tu pour me parler ainsi? Celui qui se charge de la sale besogne. Si vous voulez que je continue, vous allez devoir me parler sans détour. Fais attention, mon garçon. Je n'aime pas ce ton-là. Et moi, je n'aime pas qu'on me trompe. Je t'ai offert une chance de retrouver ton honneur perdu. Pas perdu. Dérobé. Par vous.
et vous m'obligez à le retrouver comme un vulgaire chien. Je vais devoir te remplacer. Dommage. Je fondais beaucoup d'espoir sur toi. Si vous pouviez me remplacer, vous l'auriez fait depuis longtemps. Vous m'avez dit que la réponse m'apparaîtrait quand je n'aurais plus à poser la question. Je ne demande plus rien. J'exige de savoir ce qui unit ces hommes. Oui, ce que tu dis est vrai. Il y a un lien entre ces hommes. Un lien de sang qui ressemble au nôtre. Qui sont-ils ? Non nobis, Dominé, non nobis. Des Templiers. Tu comprends mieux quel est le pouvoir de Robert de Sablé. Tous ces hommes, à la tête d'une cité, d'une armée. Ils ont tous fait acte d'allégeance. Leurs actions ne doivent pas être considérées individuellement, mais dans leur ensemble. Que cherchent-ils ? À conquérir. Ils veulent la Terre Sainte. Pas au nom de leur dieu, non. Ils la veulent pour eux seuls. Et Richard ? Et Salah ad-Din ? Ceux qui s'opposeront aux Templiers seront éliminés. Je peux t'assurer qu'ils en ont les moyens. Alors il faut les arrêter. C'est ce que nous cherchons à faire, Altaïr. Nous travaillons à éradiquer ce mal. Pourquoi m'avez-vous caché la vérité ? Pour que tu les perces à jour. La connaissance précède l'action comme en toute chose. Les informations que tu obtiens sont plus précieuses que celles qu'on te donne. Par ailleurs, tu ne me semblais pas digne de confiance. Je vois. Altaïr, ta mission reste la même. Seule a changé la façon dont tu l'aperçois. Et ce que j'ai appris me permettra de mieux comprendre les Templiers que je dois tuer. Y a-t-il autre chose que tu voudrais savoir ? Parlez-moi du trésor que Malik a rapporté du temple de Salomon. De Sablé voulait le récupérer à tout prix. Plus tard, Altaïr, tu y verras plus clair. De même que le rôle des Templiers t'a été révélé, tu connaîtras la nature de ce trésor. Dans l'immédiat, réjouis-toi qu'il soit entre nos mains, et pas entre les leurs. Si tel est votre souhait. En effet. Tu gravis un nouvel échelon. Reprends ton arme. Puisses-tu faire honneur à la fraternité. Altaïr, avant que tu ne partes... Oui. Comment savais-tu que je ne te tuerais pas ? Je ne le savais pas, maître. Vraiment. J'ai fait acte de foi. Altaïr, mon ami, sois le bienvenu. À quelle vie viens-tu mettre fin aujourd'hui ? Il s'appelle Koud. Aboulnou Koud. Que peux-tu me dire sur lui ? Oh, le prince des marchands de Damas, l'homme le plus riche de cette ville. Très intéressant et très dangereux. Je t'envie, Altaïr. Bien sûr, je n'aurais pas aimé être châtié et déchu de mon rang, mais je t'envie pour tout le reste. Même si les autres Ashashin racontent des horreurs à ton sujet. Non, mis à part ta déchéance et la haine dont tu es l'objet, je t'envie vraiment. Je n'ai que faire de l'opinion des autres. Je fais juste mon travail. Une dernière fois, que sais-tu du prince des marchands ? Sa conduite n'est pas irréprochable. Voilà pourquoi Al-Mualim t'a envoyé ici. Il vit dans le luxe, entouré d'hommes comme lui, dans le quartier le plus riche de la ville. Ses affaires ne lui laissent pas de répit. Passe quelque temps parmi les gens de son espèce, et je gage que tu apprendras à mieux le connaître. Et d'après toi, par où dois-je commencer ? Si j'étais toi, je me dirigerais vers l'ouest, vers la mosquée des Omeyyades et le souk Sarouja. Un peu plus au nord-ouest, tu trouveras la mosquée de Salah ad-Din. C'est un lieu de rendez-vous très connu. Les langues s'y délient plus facilement qu'ailleurs. Oui, ces trois endroits me semblent tout à fait indiqués. Je te sais gré de tes conseils, Rafik. Je reviendrai quand j'aurai rassemblé assez d'informations. Voilà, la livraison est complète. Bien. Tu peux en informer le vizir. Et fais-lui bien comprendre que ce genre de marchandise n'a pas été facile à trouver. Ce n'est que du vin. Certains font des entorses à la loi. Il y a un passage dans votre livre saint à ce sujet, je crois. Laisse-les manger, jouir un temps, et être distrait par l'espoir. Car bientôt, ils sauront. Or, nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait eu un terme fixé en une écriture connue. Je ne suis pas sûr de comprendre. N'en parlons plus. Fais ce que tu as à faire. Comme tu voudras. Maudit soit-il. Maudit soit le roi chrétien et son armée d'infidèles.
Il y a un problème. Tu peux m'aider? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ce matin, j'ai suspendu les lanternes pour la fête. Ah, et qu'est-ce qui t'inquiète? J'ai oublié d'enlever l'échafaudage. Mais où est-ce qu'il se trouve? À l'extérieur des appartements du prince des marchands, au-dessus du balcon. Il pourrait s'écrouler et blesser le prince. Il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Espérons que personne ne le remarquera. Tu le retireras demain. Vous n'êtes qu'un misérable! Je vais parler. Je ne tiens pas à mourir pour lui. Son argent n'en vaut pas la peine. C'est une sage décision. Dis-moi ce que tu veux. Rencontrer le prince des marchands. Ha ! Je te souhaite bonne chance. Il ne quitte jamais ses appartements. Quoi ? Aurait-il peur ? Non, c'est la haine qui le dévore. Il se hait presque autant que ceux qu'il prétend servir. S'il se taire chez lui, c'est qu'il a honte de ce qu'il est. Il finira bien par se montrer. Parfois, il prend la parole, brièvement, lors des fêtes qu'il donne. C'est sa façon à lui de renforcer son sentiment d'appartenance et d'afficher son mépris. Mais que cherche-t-il à cacher exactement? Tu verras bien. Laisse-moi partir. Te laisser partir pour que tu lui divulgues mon plan? Je ne dirai rien. Oui, tu as raison. Voleur, je te ferai trancher la main. De la paix soit avec toi, Altaïr. Tu as besoin de mes services? J'ai fait ce qu'on m'a demandé. Ma cible n'a plus de secret pour moi. Bien, fais-moi part de ce que tu as appris. Abul Nukud est totalement corrompu. Tous les habitants de cette ville le méprisent. Il semble avoir détourné de l'argent destiné au peuple de Damas pour l'utiliser à ses propres fins. Il se prépare à donner une grande fête où il pourra étaler ses richesses. Ses gardes et ses serviteurs risquent d'être très occupés. Ils ne me remarqueront pas. Très impressionnant, mon ami. Certains pensaient que tu n'y arriverais pas, mais moi, j'étais sûr que tu réussirais. Et tu réussis de fort belle manière. Dispose de cet endroit comme tu l'entends avant de poursuivre ta mission. Bienvenue à tous, et merci d'avoir accepté mon invitation. Allez, buvez, mangez et profitez de tous les plaisirs que je vous offre. Allez-y, nous avons tout le temps. Alors, la fête est-elle à votre goût ? Bien, bien. C'est un plaisir que de vous voir vous amuser. Car nous vivons des heures sombres, mes amis. Profitons de tout cela tant que nous le pouvons. La guerre menace de tous nous consumer. Salah ad-Din se bat pour faire triompher ses croyances et vous êtes là pour lui apporter votre soutien. C'est grâce à votre générosité qu'il peut continuer de livrer bataille. Levons nos verres, mes amis. Je bois votre santé, vous sans qui je n'occuperai pas aujourd'hui la place qui est la mienne. Puisse votre dévouement être récompensé. Quelle sollicitude ! Cela m'étonne de votre part. Vous, qui êtes d'habitude si prompt à me juger et si malveillant. Oh, inutile de feindre l'ignorance, me prenez-vous pour un idiot ? Pensez-vous que je n'entends pas ce qu'on dit derrière mon dos? Eh bien, sachez tout cela.
je ne l'oublierai pas. Mais ce n'est pas la raison de votre présence ici, non. Je voulais vous parler de cette guerre et du rôle que vous allez jouer. Vous n'hésitez pas à dépenser votre argent sans ignorer que vous condamnez ainsi des milliers d'hommes. Mais pourquoi, vous combattants? Vous ne le savez pas. Vous croyez que c'est pour protéger la Terre Sainte ou pour nous protéger du mal? Vous vous mentez à vous-même. Non, ces souffrances sont nées de la peur et de la haine. Ce qui vous gêne, c'est qu'ils soient différents de vous. Que je sois différent de vous. Compassion, pitié, tolérance, ces mots ne signifient rien pour vous. Pas plus que pour ces infidèles qui ravagent nos terres en quête d'or et de gloire. J'en ai assez de tout cela. J'ai choisi d'embrasser une plus noble cause, d'œuvrer pour l'avènement d'un nouveau monde où tous les hommes vivront côte à côte, en paix. Malheureusement, ce monde se fera sans vous. Tous ceux qui tentent de fuir. Sois sans crainte. Leurs mots ne heurteront plus personne. Pourquoi tu fais ça? Tu as volé ceux que tu prétends défendre. Tu as destiné cet argent à un usage inconnu. Je veux savoir où il est passé et à quoi il sert. Regarde-moi! Ma simple apparence est un affront au peuple que je gouverne. Du reste, ces nobles âmes auraient fini étouffées par tant de haine. Alors tu agis par vengeance? Non, pas par vengeance. Ma conscience m'a guidé. Comment soutenir ceux qui combattent pour le même Dieu qui a créé l'abomination que je suis? Si tu ne sers pas Saladin, qui sers-tu alors? Tu ne devrais pas tarder à le découvrir. Mais peut-être le sais-tu déjà. Pourquoi te cacher? Et pourquoi agir ainsi? Je ne suis pas différent de toi. Si tu prends la vie de ces hommes, c'est que tu as acquis la conviction que ces morts amélioreront le sort de ce qui reste. Un mal pour un bien, en quelque sorte. Nous sommes pareils. Non, je ne suis pas comme toi. Ah, mais je vois dans tes yeux que tu en doutes. Personne ne nous arrêtera. Nous aurons notre nouveau monde. Père Altaïr, le règne de terreur d'Abul Nukud a pris fin. Je suis heureux de l'entendre. Il les a tués. Tous, hommes et femmes. Empoisonnés. C'est l'arme d'un lâche.
Il a condamné leurs actes, et dit qu'il mettrait fin à la guerre. Étrange. Même si le prince des marchands était connu pour ses excentricités, il faut peut-être y voir là un signe de sa folie. Peut-être. Tu ne sembles pas convaincu. Parle-en à Al-Mualim. Il t'expliquera peut-être. Oui. Nous verrons bien ce qu'il en pense. J'interromps la session. Non, je ne bouge pas. Vous en êtes certain? Oui. Non? Tout est Denver. Je ne vois pas comment il pourrait... Bien sûr. Je comprends. Vous voilà dans de beaux draps, Monsieur Miles. C'est quoi son problème? Ils viennent te chercher. Qui vient me chercher? Les assassins. Eh, j'ai rien à voir avec tout ça, moi. Apparemment, ils sont là pour essayer de te sauver. Tu as peut-être sous-estimé ton importance dans toute cette histoire. Eh bah, plus ça va, moins je comprends ce qui se passe ici. C'était pourtant prévisible. Qu'est-ce que tu veux dire? Le combat mené par ton ancêtre pendant la troisième croisade, il ne s'est jamais arrêté. Tu es prisonnier des Templiers. Vidic est un Templier? Pas étonnant que tu tombes de haut. C'est un secret bien gardé. Vidic ne fait que travailler pour eux. Comme nous tous ici. Abstergo leur appartient. Je pensais que les Templiers étaient des vieillards avec des trucs bizarres sur la tête qui passaient leur temps à boire et à comploter pour dominer le monde. T'as tout faux. Sauf pour cette histoire de complot, peut-être. Écoute, Desmond, tout n'est pas aussi simple. Une bonne partie des inepties sur les Templiers ont été débitées par une bande d'illuminés. Le reste nous vient des Templiers eux-mêmes. Ils ont essayé de brouiller les cartes. Mais ce sont eux les méchants, pas vrai? S'il y a une chose que j'ai apprise en travaillant ici, c'est que toutes ces notions sont très relatives. Ce qu'on peut dire, c'est que leurs intentions sont louables. Ce sont les moyens qu'ils utilisent qui sont contestables. Pour ne pas dire... condamnables. Mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Lucie! Oui. Mademoiselle Stillman, il faut que je vous parle. Montez, je vous attends. J'arrive, professeur. Désolée, Desmond, je dois y aller. Tu devrais en profiter pour dormir un peu. Les réponses aux questions que tu te poses sont sous tes yeux. Il te suffit de regarder au bon endroit. Desmond, je t'en prie. Je vais avoir des ennuis si je n'y vais pas. Tant que tu restes là, je ne peux pas partir.